Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'écrire une lettre d'amour pour une fille. Ça te tente-tu de m'aider? Non. Ah, s'il te plaît, elle m'a donné un de mes raps, là, ce rap mexicain. Il est vraiment bon. OK. Bon, j'ai besoin de quelque chose qui rime avec usine de papier d'aluminium. Tu parles d'usine de papier d'aluminium dans une lettre d'amour? Ben oui, j'ai presque juste parlé de ça, voyons. C'est quoi le rapport? T'es-tu déjà allé, toi, dans une usine de papier d'aluminium? Non. Ben oui, c'est ça! Venise, c'est tellement romantique! T'essaieras d'emballer une patate au four avec Venise, toi! OK. Dis-moi ce que t'as décrit, là. Ça va peut-être me donner une idée. Salut, c'est moi, Kevin. J'ai le cœur gros. C'est une malformation cardiaque. Mon médecin m'a dit que j'allais faire de l'angine plus tard. Je sais où t'habites. Je te regarde par ta fente à courrier, par ta porte d'entrée. Je t'espionne assis en petit bonhomme. Usine de papier, d'aluminium. Pis, t'en penses quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a pas mal plus l'air d'une lettre de menace qu'une lettre d'amour, honnêtement. Là. Oh, deuxièmement, je pense que c'est ça le gros problème. Là. C'est que ça a carrément pas rapport. Tu penses? Ben oui. Ah, c'est quoi que je devrais faire à la place? Regarde, tu l'aimes-tu? Ah, je l'aime tellement. Là. Je savais que je pensais à elle, faut que je prenne un petit dos vert pétillon pour m'aider à digérer. OK, ben, si tu dis que tu l'aimes, c'était déjà un début, non? Non, mais des bonnes idées, toi. Ouais, merci. Fait que, tu veux dire un rap mexicain? Ouais, un rap mexicain. Ça doit goûter bon, ça? Comment ça, goûter bon? C'est un rap mexicain! Au Mexique, il y a des cactus, de la tequila, et puis des tacos. Tacos durs, tacos mous, c'est avant tout une question de goût. Arriba!